le poulet est cuit, maintenant il est prêt à faire. Moi je vais faire avec le riz, vous allez voir. Maintenant on va préparer du poulet avec du poivron rouge sous la poêle. On va utiliser une tomate fraîche au-dessus, c'est très léger et c'est très bon. Voilà, pour ça on a besoin du poulet cuisse désossée. On l'a coupé à cette forme. On a besoin juste un poivron rouge, ça peut être même vert si vous n'avez pas. À peu près 6-7 morceaux de l'ail, un gros oignon. Moi j'ai pris les tomates fraîches que j'ai déjà préparées de l'été. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire vous-même à la maison ou vous pouvez même utiliser une sauce tomate. On va utiliser les thymes, le poivre noir et du sel. Étape 1, on met de l'huile sur la poêle et on va rajouter l'oignon. Et on fait revenir l'oignon. On rajoute le poulet. L'oignon est bien doré. Maintenant, on rajoute le poulet. Et maintenant, on fait revenir. C'est important qu'il soit un peu absorbé. Après, c'est comme du riz le plus important. Donc, il va être bien cuit. Je vais rajouter de l'ail avec le piment. Dans le sol, je vais cuire du riz du poulet. Je vais le diminuer en médium le feu. Et je vais le cuire finir avec le poulet. Le poulet est bien grillé, il est bien cuit. Maintenant, je rajoute le piment, le poivron rouge. Les épices, je vais mettre dernier. Je vais un petit peu mijoter le poivron rouge aussi. Et on rajoute de l'ail. Vous pouvez l'écraser ou vous pouvez râper. Moi, je les ai râpés. On va mettre les épices parce que mon riz aussi il est bien cuit. Voilà, on met le sel, on met le thym, voilà, tout un peu, et le poivre noir. C'est encore plus. Et on va rajouter les 7 tomates. On rajoute les 7 tomates. On met juste pour le goût. On va laisser mijoter encore une 5 minutes et ça sera prêt à manger.